Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne PVGK. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a là? Une Polo GTI avec un petit stage 1. Mais je vous en dis pas plus, vous voulez checker la vidéo. Salut Steven. Salut. Comment tu vas? Bien et toi? Oui, ça va bien. Bah écoute, merci d'avoir amené la voiture sur la chaîne. Mais avec plaisir. C'est cool. Bah dis-nous un peu ce que t'as là. On a une Polo GTI, la 6ème version. Ok. On a elle est 8. Et puis moi j'ai fait un petit stage 1 dessus, puis elle développe 234 chevaux. Ok. Et puis juste pas 400 Nm de couple. Ah ouais, c'est déjà pas mal quoi. Ouais, ça va déjà pas mal la taille de la voiture. Sinon, au niveau modification, qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Déjà l'avant, j'ai supprimé tous les chromes, donc j'ai fait le logo en noir, le GTI en rouge, une lame Maxton. C'est ID8, c'est un peu une réplique de OZ. Ouais, franchement, elles lui vont bien. Moi, je trouve que ça lui va vraiment bien. J'en avais des autres avant au 18, mais c'est un petit peu trop large. C'était du 8 de large, ça dépassait un peu les ailes. Ah ouais. Ok. Puis, après, les coques de rétro en noir, tous les monogrammes, même sous des côtés, j'ai viré les chromes. D'accord. Et puis là, pour le moment, elle est en ressort court moins 2. Ouais, faut rabaisser un peu ça. Ouais, j'aimerais mettre moins 4, mais normalement, ça va se faire prochainement. Un échappement juste le silencieux Friedrich Motorsport. Ok, ouais. Et okay. Puis à l'arrière, la même chose, les logos ils sont en noir. J'ai teinté les feux arrière. Alors, ça, c'est ce que je kiffe dans cette voiture, c'est ce diffuseur. Ouais, franchement. Design aussi. Sinon, tu comptes faire quelque chose par la suite niveau extérieur? Alors, par la suite, j'aimerais faire le toit en noir. Le toit en noir? Ouais. Complet? Ouais. Ok. Et puis peut-être une déco. La rabaisser à moins 4 cette fois. Pour l'intérieur, là on a la configuration GTI avec les sièges tissus, ils appellent ça Jackie. Ouais, moi je les trouve vraiment pas beaux ces sièges. Ah, moi j'adore. C'est vrai? Pour moi, une GTI qui a pas ces sièges, c'est pas une GTI. Mais non. Ah, je te jure. Moi j'aime pas, ça fait vieillot un peu, tu sais. Mais moi c'est pour ça que je l'ai pris. Non. Ok. Ah, moi franchement, ces sièges, je les aime pas. Parce que moi je suis un fan. Enfin, c'est le design, tu vois, que j'aime pas. Ouais, mais après moi voilà, je suis un fan de GTI, donc ces sièges ça a été le coup de foudre. C'est le nouveau volant, pas ouais. Les anciens. Par contre, il est beau celui-là. Ouais, en fait, que je savais pas que j'avais avant que je l'achète, j'ai l'écran en fait. Tu branches ton téléphone, puis t'as le système Apple CarPlay. Ok, donc, je savais pas. Tout qui s'affiche sur ton téléphone sur l'écran. D'accord, ok. Et puis. Parce que rappelle-nous, la voiture est de quelle année? Celle-là elle est de 2016. Ah ouais, ça va en fait. Moula moula all about moula moula bring you down. Get away from shooter shooter shoot you down for the money. All for the money. All for the money. All for the money. Ooh, all for the money. For the money. Yeah, money. All for the money. Drop it to the floor and bring it back. Shorty wanna follow, she be looking really at. See my neck wrist tripping, yeah, she caught a whiff of that. And what you got, what you rock, Mr. E be worth a lot. I pull up in a blacked out UFO. We gon' party till we black out, you ain't no. Another bottle to the back now. Bon les gars, je trouve maintenant dans la GTI. On va faire un petit tour avec. Ok. Alors, on a une boîte manuelle, c'est rapport. Ouais, c'est des longs rapports donc. Ok. Avant de changer tes. Ah, d'accord, ok. Franchement, ce vélo, il est vraiment beau. Ouais, moi j'aime bien. Il est petit, un peu compact, tu sais. Mais c'est le centre plus petit comme ça, ouais. C'est sympa. Ouais. C'est un peu comme les RS3, là, tu sais, les Audi, ouais. Elles ont un centre petit, ouais. Et moi j'adore. Ouais, ouais. Mais c'est Mercedes aussi maintenant qui font comme ça. Ouais, c'est pas mes préférés. Non, après, mais, voilà, moi je bosse chez Mercedes donc. Ah ouais, bah ouais, c'est sûr. Après, c'est sûr que la boîte elle est un peu moins virile que style si tu prends les versions d'avant là, les 9N. Ok. Les boîtes à vitesse elles sont bien rigides. Tu passes tes vitesses, tu sens. Ah ouais, là tu sens le couple en fait. Ouais, mais attends, on va faire comme ça là. Okay. Ça, c'est une option par contre. Si j'avais pu pas prendre. C'est une option. De quoi? Qu'est-ce qu'une option? C'est quand tu la mets au point mort, elle s'éteint. Ah oui, le start and stop, ouais, ah, je déteste. Okay. Du coup, mode sport, juste un mode sport. Ouais. Qui va changer la rigidité et puis l'accélérateur. Voilà, exactement. Okay. Et okay. Puis je crois que ça te fait aussi un petit peu sur les suspensions. Mais là, vu qu'elle est rabaissée, tu sens que c'est de toute façon déjà plus dur. Ouais.
Ouais, c'est vraiment kiffant. Heureusement, là, on est sur avec les roues d'été, parce que les roues d'hiver, elles sont tellement fines. Tu relances première, deuxième, tu patines, tu relances la troisième, si tu relâches pas un coup, elle continue de patiner. Franchement, comme je t'avais dit avant, moi, je savais pas qu'il y avait... Enfin, je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup de couples. Ouais. Mais du coup, je suis vachement étonné. Moi, j'ai pris celle-là parce que à la base, je pensais partir sur la Polo R. Parce qu'en fait, je voulais absolument une boîte manuelle. Je voulais pas une DSG. Ouais, je comprends. Et puis les Alit 4, là, les premières, ils les ont fait que en DSG. Ouais, DSG, ouais, c'est juste. Niveau confort, on est bien aussi sur ces sièges. Ouais, malgré qu'ils sont pas très beaux. Après, voilà, c'est les goûts. C'est sûr, je t'embête. Mais ils sont bien parce que c'est un peu des semi-bâclés. Ouais. Ils tiennent bien. C'est une voiture que j'aurais pu acheter. Alors moi c'était clairement c'était soit une Golf soit une Polo. Et pourtant tout ce qui est coupe vague, Volkswagen, salut moi, ça me saoule un peu tu vois. Mais franchement ça peut être un bon compromis parce que je pense que c'est une voiture qui est pas très chère. Ça tu trouveras combien dans le marché une voiture comme ça? Actuellement je crois que t'arrives à en retirer 12-13 000. Ah ouais c'est raisonnable. Avec 85 000 km. C'est raisonnable parce que c'est une bonne voiture. Ouais. Et la deuxième elle répond. Son charme, hein. Ouais, bah, ça fait vachement agressif, je trouve. Ouais, ça, ouais, ouais. Putain, on dirait les voitures montées course. Après, il faudrait juste qu'elle donne un petit peu plus de retour. Parce que là. Mais ça, tu as un petit peu de punchbang et tu